wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their... Dans un instant, nous allons découvrir qui est niçoise de ces quatre dauphines. Je vais appeler également les membres du jury et également Isabelle, notre présidente de Niçoise, ainsi que nos Miss en titre à bien vouloir nous rejoindre avec les écharpes, la couronne et les enveloppes. Elles sont là, nos belles Miss Picardie, Morgane qui était présidente de ce jury. Isabelle, la voici. Ornella qui va remettre son titre dans un instant. Je vous en prie, mesdames, approchez pour qu'on puisse vous voir. Merci d'être avec nous. Morgane, comment s'est passée cette soirée? Tout s'est bien déroulé au niveau du vote du jury. Oui, tout s'est bien déroulé. Et encore une fois, les filles, comme je vous ai dit dans les coulisses, soyez fiers de vous. Vous avez été vraiment la plus belle promo que j'ai rencontrée depuis mon existence en tant que Miss. Donc soyez vraiment très fiers de vous. Et bravo pour la diversité. Et bien, bravo à vous. Jeune femme, Ayat, le diadème de notre nouvelle niçoise, Ornella bien sûr, l'écharpe dans un instant. Merci également aux membres du jury d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, vous allez remettre quelques bouquets dans un instant. Alors cette année, nouveauté sur les élections départementales, on le sait déjà depuis quelques temps sur l'élection régionale. Nous allons d'abord découvrir le top 5 dans le désordre. D'abord, le top 5 dans le désordre parmi, bien sûr, nos 16 candidates. Alors, mesdemoiselles, mesdames encore, bravo, bravo pour cette très belle soirée. J'espère que vous garderez à tout jamais ce souvenir gravé au fond de votre cœur. Mais maintenant, vous le savez, c'est une compétition. Il y a des perdantes et des gagnantes. Alors, qui sont-elles? Voici le top 5 de Niçoise 2022. Et première à partir à l'élection Miss Picardie, la toute première candidate à l'élection régionale, portée le numéro 13, Céline. La seconde candidate qualifiée dans ce top 5, qui elle aussi rejoint l'élection Miss Picardie, cette jeune femme portée le numéro 9, Véronique Delon. Il reste 3 places. La prochaine candidate portée le numéro 5, c'est Flora Pessoa. Encore 2 places. Prochaine qualifiée pour Miss Picardie dans ce top 5 de Niçoise, la candidate numéro 7, Kémino. Et enfin, et bravo à toutes les autres candidates, la dernière qualifiée qui partira vivre l'aventure Miss Picardie, portée le numéro 3, Levana. Voici le top 5 de Niçoise 2022. Et j'aimerais, cher public, j'aimerais qu'on applaudisse bien fort les autres candidates qui n'ont pas démérité. Bravo mesdames, bravo pour votre parcours. Vous pouvez être très très fiers de vous. Félicitations. Alors maintenant que nous avons découvert les 5 premières jeunes femmes,
5 premières jeunes femmes allaient vivre l'aventure Miss Picardie le 16 octobre prochain. Et on voit une très très belle amitié entre elles. Reste à découvrir Miss Oise et ses 4 dauphines. Et nous allons commencer par la 4e dauphine de Miss Oise 2022. Elle sera conduite par Yasmine Guyenne, notre mécène. Le bouquet remis par Marie-Paul, la présidente du comité Miss Vendée. Qui est la 4e dauphine de Miss Oise? Une place déjà pour l'aventure Miss Picardie. 4e dauphine de Miss Oise 2022 est ici au Parc Saint-Paul. Est élue 4e dauphine de Miss Oise 2022 la candidate numéro 5, Sephora Pessoa. Le film de Miss Oise 2022. Bravo mademoiselle, 4e film de Miss Oise que nous retrouverons le 16 octobre prochain à l'espace de Beauvais. Bravo mademoiselle Marie-Paul, la comité de président du comité Miss Vendée qui remet le bouquet. Bravo mademoiselle. Encore 4. Qui est 3e dauphine de Miss Oise 2022? Elle sera conduite par Odélia Suisse de Miss Somme 2021 qui remettra bien sûr l'écharpe. Et le bouquet remis par Salima avec nous également ce soir. L'écharpe de 3e dauphine de Miss Oise 2022. Ce soir, vous l'avez choisi, cher public, avec les membres du jury. Est élue 3e dauphine de Miss Oise 2022, la candidate numéro 13, Célina Lucchi. Mademoiselle, on vous retrouve vous aussi le 16 octobre prochain et merci à tous nos partenaires avec nous ce soir qui remettent le bouquet. Encore 3 jeunes femmes. Alors déjà la bonne nouvelle c'est que mademoiselle me retrouvera le 16 octobre, mais qui est la 2e dauphine? Réponse tout de suite en musique. L'écharpe sera remise par Asia Kerry, notre Miss Picardie 2018. Le bouquet remis par Brasila, avec nous également dans cette aventure. L'écharpe de 2e dauphine de Miss Oise 2022 et pour la candidate numéro 7, Kelly Lowe.
Bobélie. Rendez-vous le 16 octobre prochain à l'espace de Beauvais pour l'élection Miss Picardie. Le groupe est remis par Graziella. Bravo, mademoiselle. Et c'est le moment que vous attendez toutes et tous. Nous allons découvrir, bien sûr, notre Niçoise 2022. La première dauphine de Niçoise sera conduite par Morgane Fradon, notre Miss Picardie 2019. Notre présidente, le bouquet remis par Kera, qui était à nos côtés également dans cette aventure. Et Niçoise 2022 sera conduite par Ayat El Garmaoui, notre Miss Picardie en titre, et Ornella Perina, notre Niçoise. L'écharpe remise par Ornella et le diadème remis par Ayat. Le bouquet offert par Au Jardin Fleuri à Sainte-Geneviève, remis par Franck Pia à nos côtés ce soir. Qui est Niçoise 2022? La réponse maintenant. Des moments incroyables vécus ensemble. Bravo, mesdemoiselles. Vous l'avez élu ce soir au Parc Saint-Paul. Miss Oise 2022, la candidate numéro 3, Lilana Boulou. Bravo à la première dauphine, Verena Delaurier, élue première dauphine. L'émotion de votre nouvelle ambassadrice. Madame, monsieur, voici votre Miss Oise 2022. De l'Oise pendant une année. Les larmes de votre nouvelle Miss Oise et la joie, le sourire sur son beau visage. Et j'aimerais qu'on applaudisse bien fort aussi Verena Delaurier, élue première dauphine, que je vous invite à applaudir bien fort, accompagnée de Morgane. Elle aussi, vous la retrouverez lors de l'aventure Miss Picardie. Nous allons tout de suite aller recueillir les premières impressions de notre nouvelle Miss Oise. Bravo, Lélana, vous êtes notre nouvelle Miss Oise. Je suis même pas contente. Merci à tous d'être venus. Je veux d'abord remercier mes camarades, mes copines, mes sœurs. Franchement, grâce à vous, j'ai passé la meilleure aventure de ma vie. Et je vous en remercie vraiment parce que j'ai appris énormément de vous toutes. Et vraiment, je vous porterai dans mon cœur à vie. Je vous aime très fort. J'espère qu'on ne se perdra pas de vue. Et je voudrais remercier le comité niçoise. C'était incroyable. Merci vraiment. Ma famille, mon équipe. Je n'aurais pas ici, vous m'avez encouragé, vous avez cru en moi plus que je n'ai cru en moi et je vous aime très très fort, merci. Vous êtes notre nouvelle niçoise, bravo Lévana, avec nos dauphines à ses côtés, je vous en prie mesdemoiselles, et bravo également, allez-y mesdemoiselles, autour de notre nouvelle niçoise qui représentera le département durant une année et deviendra peut-être Miss Picardie 2022. Bravo encore à vous, mesdemoiselles. Bravo également, bien sûr, à toutes les autres candidates pour ce beau spectacle. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 16 octobre
à l'espace de Beauvais pour Mystic Army 2022. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui se sont investies dans cette aventure. Un grand merci à nos partenaires, au Parc Saint-Paul, à la ville de Beauvais. Un coucou particulier à mon équipe, à vous, cher public. On vous attend pour soutenir les jeunes femmes beauvoises le 7 octobre en présence de Miss France. Excellente soirée à tous et vive Missoise 2022!